Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque vendredi nous allons parler d'une nouvelle race. Et cette fois-ci nous allons parler d'une race très célèbre, le Retriever du Labrador, un succès mondial. Le Retriever du Labrador, plus couramment appelé Labrador, est la race canine la plus répandue au monde. Tout le monde aime ce chien robuste et amical. Ça avance peut-être un peu beaucoup là. Qui, selon une légende, serait issu d'un croisement entre un terre-neuvre et une loutre. Il est en effet très attiré par l'eau et a les pattes palmées, ainsi qu'un poil imperméable. Il vient bien de Terre-Neuve et a été exporté en Angleterre dès le début du 19e siècle. La race a été fixée après des croisements avec des chiens de chasse britanniques. Excellent rapporteur, notamment dans les marais, c'est aussi un formidable chien de famille. Réputé pour sa bonhomie, sa jovialité et sa douceur. Il n'est jamais agressif et se montre très patient avec les enfants. Mais il peut être un peu brutal lorsqu'il joue, car il est très enjoué et expansif. Faut savoir, brutal ou douceur, intelligent et obéissant, il peut s'adapter à la vie en ville à condition de sortir du jardin et de se dépenser chaque jour. Et c'est d'autant plus important, car il a tendance à s'empâter avec l'âge. C'est pour ça qu'on croise tant de labradors bien obèses. Concernant le standard du Labrador, celui-ci fait de 54 à 57 cm au garrot pour un poids allant de 30 à 35 kg. J'insiste encore une fois, pas 45, pas 55, 35 maximum. Et son poil quant à lui est court, épais et dense. Et chez le Labrador, contrairement au Retriever, c'est aussi comme ça qu'on distingue bien les deux, vous pouvez retrouver trois couleurs, noir, marron ou jaune. Et donc dans la section jaune, vous aurez des nuances plus ou moins importantes entre du beige vers le blanc, vers un peu le plus jaunâtre. Et son espérance de vie va de 10 à 12 ans. Donc voilà pour la présentation du Labrador, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. De mon côté, c'est un chien qui, oui, il est sympa, mais le problème c'est que moi, tous les chiens qu'on croise partout, c'est pas forcément que j'aime, c'est trop énergique pour moi, c'est trop Brutus pour moi, c'est trop gros pour moi, c'est trop commun pour moi. Cette race absolument ne m'a jamais attirée de ma vie, bien au contraire. De toute façon, moi, pour tout vous dire, je suis plus de la team Golden que de la team Labrador. Mais, de toute façon, cette race n'est absolument pas faite pour moi, j'ai jamais eu aucun craquage. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !